Bonjour les amis. Bienvenue à Apprendre ici un outil qui est appelé échec chinois. Je m'appelle Liu Tangjian. Dans cette série, je vais vous présenter les 36 stratagèmes de ce outil pour les joueurs intermédiaires. Cette vidéo est sur les stratégies et les tactiques. Alors, nous allons commencer notre 14e leçon. Dans cette leçon, je vais vous montrer le 14e stratagème appelé faire revivre un corps mort. Prenez une institution, une technologie, une méthode ou même une idéologie oubliée ou rejetée et appropriez-les à votre propre but. Faites revivre quelque chose du passé en lui donnant un nouveau but ou donnez vie à de vieilles idées, costumes ou traditions et réinterprétez-les selon vos besoins. Tout d'abord, en analysant la situation, il semble que les noirs vont partir tour 5 avancé 1 ou pion 4 avancé 1 échec et mat. Les noirs remportent la partie. Qu'est-ce que les rouges disent souvent? On y va. Les rouges commencent. Canon 1 avancé 2 échec. Les noirs doivent conseiller 6 avancé 5. Les rouges pion 4 avancé 1 échec. Les noirs fou 5 reculé 7. Les rouges pion 4 latéral 3 échec. Les noirs conseillers 5 reculé 6. Les rouges pion 3 latéral 4 échec. Les noirs canon 5 reculé 6. Les rouges pion 4 latéral 5 échec. Les noirs roi 4 latéral 5. Les rouges appliquent le stratagème de faire revivre un corps mort. Tour 5 avancé 1, capturer le tour noir et échec. Voyons voir. Les rouges tours peuvent se battre. Les noirs doivent canon 3 latéral 5. Les rouges tours 5 avancé 1 échec. Les noirs tours 6 latéral 5. Les rouges tours 5 avancé 4 échec. Les noirs roi 5 latéral 6. Les rouges tours 5 avancé 2 échec. Les noirs roi 6 avancé 1. Les rouges pions 3 avancé 1 échec. Les noirs roi 6 avancé 1. Les rouges tours 5 reculé 2 échec et mat. Les rouges remportent la partie. Quel jeu merveilleux qui est un parfait exemple en utilisant le stratagème de faire revivre un corps mort. Après avoir appris cette leçon, j'espère que vous comprenez mieux cette stratégie et l'appliquez à vos jeux. Est-ce que tu l'as? Continue d'essayer et de pratiquer. Rendez-vous dans notre prochaine leçon, Attirer le tigre hors de la montagne. Merci.